Hello les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Squadrons. Là, on est revenu avec les Impériaux. On était avec la République, Impériaux, République, Impériaux. On ne comprend plus rien, mais l'histoire, si vous regardez les épisodes, vous allez comprendre. Donc voilà, on y va tout de suite, allez. Bon, comme je vous ai dit, on est revenu avec les Impériaux. Toujours à la poursuite du Star Wars. Qui me parle? Qui me veut? Qui me cherche? Que vous êtes moche. Bon. Gray. Dis-moi. Quand j'étais policier sur Parkella, je passais des semaines à faire de la paperasse pour arrêter un trafiquant ou un gang d'esclavagistes. Mm-hmm. Des gens évidemment coupables. Je me suis engagé avec l'Empire car il m'a donné le pouvoir de faire le nécessaire. Faire appliquer la justice dans la galaxie. Ça m'étonne pas. Piloter un TIE est plus dangereux que de traquer les escrocs. Chaque fois que je sors de ce hangar, je sais que je pourrais ne pas revenir. Mais je suis toujours revenu. Jusque maintenant. J'en ai marre des arguments sur la moralité impériale. J'ai entendu des pilotes remettre en question notre empire. Ils se demandent si nos méthodes sont justes. Mais ils oublient toujours quelque chose. C'est sûr. Le fait est que nous avons le pouvoir. Donc, nous avons déterminé ce qui est juste. Une fois là-bas, du coup, vous déciderez qui doit vivre et qui doit mourir. Ah oui, bah ça... Vous avez gagné. Personnellement, moi j'essaye de faire vivre ma race à moi. La capitaine attend. Donc, en parlant de... Vu que je suis avec les Impériaux, je vais essayer de faire vivre les Impériaux. Maintenant, si je suis avec la République, je m'en vais avec la République. Ça, c'est tout normal. Bon, trêve de discussion. On va aller briefinger tout ça. On y va. On a réussi. Oui. L'escadron Vanguard est coincé. Lyndon James a commis sa dernière erreur. J'espère. Nous avons la confirmation que Lyndon a rejoint la mêlée. Ce n'est pas tout. Il dirige le même escadron rebelle que celui que nous avons décimé sur Mon Cala. C'est un mouvement calculé. Lyndon veut me faire commettre une imprudence. T'es pas con, toi. Il croit me connaître. Mais il a tort. Bah ça, nous ne mordrons pas à l'hameçon. L'escadron Titan se concentrera sur notre seule vraie cible, le Starhawk. Ok. L'amiral Sloane compte sur nous. J'aimerais pouvoir m'occuper personnellement de Lyndon. Mais l'arme d'un commandant, c'est son escadron. Non, je comprends pas. Et non pas. Pas un chasseur. Allez, terminez votre mission. Ok. Et si jamais vous voyez Lyndon, débarrassez-vous de lui une bonne fois pour toutes. Ne t'inquiète pas. Bon, moi, je disais, je comprends pas comment ça se fait que j'ai pris les rebelles pour faire l'histoire, mais en fait, je suis en train de faire toute l'histoire avec les Impériaux. Je ne comprends pas. Bon, soit. Peut-être que si je prends les Impériaux, je vais faire toute l'histoire avec les rebelles. C'est possible. On verra ça, hein, si on fera une histoire avec les rebelles. Avec les Impériaux, pardon. La victoire est proche. Oui. Le Tempérance s'est détaché de la flotte rebelle, mais peu importe. Et donc Notre cible, c'est le Starhawk. Et grâce au renfort de l'amiral Sloane, nous l'avons encerclé. Le Starhawk a subi des dégâts critiques avec notre assaut au Baradium. Et il ne peut pas être réparé. Si je ne me trompe pas, une frappe précise au cœur du rayon tracteur du vaisseau devrait le transformer en bombe à retardement volante. Wow. Atteindre le Starhawk ne sera pas facile. Les rebelles ont réussi à appeler leur renfort. L'escadron Anvil, pour être précis. Non, okay, bah oui, une personne intelligente pourrait utiliser cette influence. Devenir assistant de l'amiral Sloane, peut-être. Une fois au cœur du pouvoir impérial, on peut le diriger. Et alors, plus rien n'est impossible. Même les bases d'un nouveau Sénat. Tout ce qu'on doit faire, c'est gagner. On va gagner. C'est comme ça que ça donne l'histoire, sinon je vais recommencer la mission 10 000 fois. Ce qu'on doit faire. Mais il s'agit de bien plus que de finir une guerre. Ouais. Un vrai futur pour l'Empire, au-delà des étoiles de la mort et des rebelles, est à notre portée. C'est pour ça que je me bats. Ça va, ok, comme tous les nerfs. Peu importe pourquoi vous vous battez, souvenez-vous-en aujourd'hui. Vous me faites même pas parler. Je ne parle même pas. Elle répond à ma place. Ah, je vous jure.
Allez, montre chat. Je regrette de ne pas vous signaler que nos chances de réussite sont bien plus faibles que d'habitude. Comment cela se fait ? Le temps ne fait pas le poids face à une flotte rebelle décomposée. Oh. Non, pas du tout. Alors. Votre bilan est très impressionnant. Merci, c'est juste gentil. Que ces rebelles sont désespérés. Ça les rend particulièrement dangereux. Dangereux, ben oui, c'est bien sûr. Bien vu. LT514. J'espère que vous garderez ça. Écouteurs Beat là sur la tête. J'ai accepté cette affectation pour voir comment les tactiques d'escadron fonctionnaient Beats. En réalité sur le terrain. Et j'ai découvert que j'en savais très peu. Mais maintenant, j'ai assez de matière pour envoyer une banque de données de renseignements complète sur l'escadron Titan, et sur vous en particulier. Vous voir chasser les rebelles a été très instructif. Et amusant. Merci, c'est gentil. Merci. Toi aussi, tu m'amuses beaucoup. Ce fut un honneur de pouvoir observer. Tu peux observer tant que tu veux. Vous avez su vous rendre tant que tu touches pas. L'escadron Titan n'aurait pas été le même sans vous. Vous avez répondu sans hésitation à mon appel. Je n'oublierai jamais ça. Moi non plus. La tu m'as mis dans le bordel. Ne me décevez pas. T'inquiète pas, je veux pas te décevoir. Alors, part dans l'hangar. Ah. Bon. Je le précise à chaque épisode. Maintenant, vous allez écouter ce qu'il va dire lui. Shane. Si vous allez pas avoir une... un coup de dépression, je comprends pas. Allez, c'est parti. La guerre continue. Allez. Elle ne s'est pas arrêtée sur Endor. Elle ne finira pas avec le Starhawk. Je sais. Ce qui est détruit renaît de ses cendres. Je l'ai vécu. Voilà, on commence. Ils ont besoin de soldats, de pilotes. Ils en ont eu besoin. Ils en auront besoin. Oui, mon très cher. Merci. Vous voulez, je vous suis. Ok. Ça va, il a pas parlé de ses accidents. Je pense qu'il m'a compris que j'en avais marre de l'écouter. Bon, on va partir à Sol. L'escadron Anvil. Ah, bonne règle, Sol. Une fois le Starhawk éliminé, nous aurons fait un pas de plus vers la fin de cette guerre. Mais la fin de la guerre ne signifie pas la fin de notre devoir, pas vrai ? Non, la capitaine Kerrill appréciera la destruction du Starhawk. Mais ce n'est qu'un vaisseau. Les ennemis de l'Empire existent dans toute la galaxie. Bien sûr. Je m'en occuperai personnellement s'il le faut. C'est ma conception de la retraite. Finissons-en. Ok. Je pense que je peux monter sur ma... petite... Voilà, on y est. Le capitaine a besoin de vous dans un chasseur, bombardier ou intercepteur TIE au choix. Bah, moi franchement... pas que... j'aime bien le bombardier en fait. Je prends le bombardier. Ça ne modifie rien, j'aime bien comme il est. 2, 1, 0. Welcome to the space in the war. Mon kiki, on va faire la festa. Le bombardier, il est bien protégé, il est lourd, il est maniable. L'escadron Titan est prêt. Il y a un armement pas possible, donc. Je n'en attendais pas pourquoi moins. Oh, je n'attendais pas moins du légendaire Dark Orion. Le Starhawk est juste devant, mais il va vous falloir traverser la flotte de la République pour l'atteindre. Ok, allez. Aidez Titan à forcer les formations de la République. Bien reçu, je me mets en position. Attention, chasseur en approche. Où ça? Titan, détruisez immédiatement ces chasseurs. Ça va, wow. Un leader à Titan, vous auriez dû finir le travail sur ce cas-là. Les gars. Jusque là-bas avec le reste de la ville, en train d'éliminer ce destroyer stellaire. Tout ce qui était. Allez, j'ai tout pété. Vous osez nous parler de honte ? Titan est mon arme. Prête à infliger la vengeance de l'Empire. Et encore ?
Bien sûr, il y en a plus, il y en a encore. Ah, tout ce qu'il y a. J'ai presque tout pété. Vous incarnez la supériorité impériale. Je sais. Tais-toi. Bah, j'ai tout ça battu, non? Et encore? Voilà. Let's go. Où est-ce que la frégate? Je viens en soutien à l'escadron Titan. Allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Les pilotes de la République, pris au piège, ils refusent d'admettre leur défaite. Ils disent que nous sommes faibles, alors que la puissance. Mais non, qu'est-ce qu'on est faible, hein, c'est eux les faibles. Nous, on a la méchanceté qui va avec, hein, donc on n'est pas faible. Dis-moi. Votre cible principale est la frégate ennemie. Wow. En formation et à disposition. Et les gars, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Les gars, aidez-moi! Ouais, va péter, va péter, va péter, va péter, va péter. Explosez! Allez, va péter. Allez, c'est bon, c'est bon. Eh, tiens, mange! C'est bon? Ok. Wouhou. En fait, j'ai remarqué que je joue mieux avec les impériaux qu'avec la République. Vous devrez percer la coque du Starhawk pour vous y infiltrer. Ok. Un instant, le radar détecte quelque chose. Il détecte quoi? C'est qui? Titan, attention. L'ennemi envoie d'autres vaisseaux amiraux. Oh, c'est quoi ce bourdin? Séparez-vous et attaquez. Allez. Oui, mais je vais attaquer où? Comment j'ai esquivé? Il est où? Capitaine Kéril, ici Titan Leader. La plupart des vaisseaux amiraux sont détruits. Les effectifs ne sont pas tous. Une victoire dépend de la stratégie et de la rage de vaincre.
jamais douté de vous. Voilà. On fait quoi maintenant? Dire qu'ils espéraient qu'on se rende. On a perdu nos vaisseaux amiraux. Anvil, revenez sur ma position et regroupez-vous. Ah, tu vas me faire chier, hein? Et maintenant, espèce le Star-Hawk. Traître. Escadron Titan? Oui, on y va. Titan, c'est maintenant. Suivez-moi. Je te suis. Après l'attaque au Baradium, le Star-Hawk est couvert de scories de carbone. Il vole encore. Il est construit avec du duracier impérial. Comment ça se fait qu'il va pas qu'il explose pas encore? Il est en feu de partout et ils ne peuvent plus sauver leur vaisseau de combat. Et il continue à vivre, enfin à lancer. Star-Hawk pour vous y infiltrer. Dirigez-vous vers le missile au Baradium. Éliminez le Star-Hawk. Oh mais je sais pas comment... Je vais rentrer dedans, mais je sais comment sortir. Déjà, il faut déjà voir comment je vais faire pour rentrer. Attention, les tourelles sont actives. Parfait. Visez le missile pour ouvrir une brèche dans le Star-Hawk. Scannez le cœur, Titan 3. Allons défendre la brèche. Portons coup de grâce au Star-Hawk. Bien. Je vais rentrer là-dedans. Waouh, ça va être chaud. Le rayon tracteur est bon. Dirigez-vous vers le cœur du vaisseau en faisant attention aux anomalies gravitationnelles. Ok. Utilisez vos turbos si nécessaire, mais attention, l'espace restreint compliquera les choses. N'oubliez pas de garder de la marge pour pouvoir décélérer. Un chasseur titan vient de percer la coque du Star-Hawk. Il est à l'intérieur. Reçu, Anvil Leader. Terissa, qu'est-ce que vous mijotez? Je termine ce que j'ai commencé sur la Diri. Eh les gars, mais moi je sais pas si je vais y arriver, hein. Wow. Je sais pas comment je vais faire à sortir de là. Ça va être chaud de sortir de là. Vous voyez comment c'est compliqué déjà en fait. N'hésitez pas à utiliser vos turbos si nécessaire. Non mais moi j'utilise pas de turbo, t'es fou toi. Titan 3, doucement. Je détecte des anomalies gravitationnelles dans ce cœur. Wow. Mais c'est pas possible. Je suis dedans. Vous êtes tout près des émetteurs du cœur. Ce sont vos cibles. Je vois une surtension dans le cœur. Continuez. La moitié des émetteurs sont HS. Que je dois aller. Pilotez avec prudence. Les fluctuations de gravité peuvent vous éjecter de la trajectoire. Titan 3, préparez-vous. Titan 3, concentrez-vous sur l'entrée du cœur ou vous serez détruit. Oh. Mais c'est quoi ce bordel? Mais non, allez, c'est pas possible.
Je sais même pas bouger. Je sais même pas bouger. C'était du n'importe quoi, ça. Tes calculs indiquent qu'une décharge gravitationnelle va se produire. Titan 3, cette décharge va vous propulser hors du cœur comme un tir de blaster. Oui. Placez-vous au centre de l'entrée et utilisez l'onde de choc pour en sortir. Ça pourrait être délicat. Du calme, de la souplesse et éloignez-vous des murs. Ah, mais je fais ça comment, moi? Wow, ça va être chaud. Les fluctuations de gravité peuvent vous éjecter de la trajectoire. Titan 3, préparez-vous. Ouais. Oh, oh purée, il faut que je bouge à rien. Titan 3 est ressorti. Vous avez réussi. Wow. Le cœur du Starhawk s'est transformé en bombe à retardement. Ouais, en fait, il fallait pas que, il fallait que je me mette vraiment au milieu, parce que tantôt je me suis pas mis au milieu et j'ai bougé et tout. Et j'ai tout fait, j'ai tout foutu en l'air, quoi. Bon, la deuxième fois ça a marché. N'essayez même pas de combattre Jeff sans moi. Quoi, il se passe quoi? D'abord devoir nous passer dessus. Titan 3, on ne peut pas bouger. C'est à vous de jouer maintenant. Titan 3, je vous ai laissé une chance à part Faustin. Je pensais que vous l'auriez saisi. Bah qu'est-ce que tu veux toi? Arrête hein. T'es où? Il n'a plus de bouclier. Il utilise le charbon pour se protéger. Tais-toi. Quand ce sera fini, observez l'empire que vous servez et demandez-vous pourquoi. Trahir votre peuple pour des principes ne vous rend pas plus noble qu'un autre, Lyndon. Peut-être pas dans vos yeux, mais dans les yeux de ceux que j'ai sauvés. Ce prêtre n'a plus de bouclier. Il retourne vers son Starhawk. Son bouclier ne peut plus se régénérer. Il est vulnérable. Je l'ai eu. Dis-moi que je l'ai eu. Je l'ai tué. Quoi? Va s'écraser. Il est mort, Tadel. C'est fait. Merci, Titan 3. Merci à vous. Comme ça, vous m'avez fait confiance. Bien sûr. En fait, on a foutu le bordel, quoi. Escadron Titan, grâce au soutien indéfectible de l'amiral Sloan, le projet Starhawk n'est plus qu'un tas de ruines. L'escadron Vanguard est condamné. Les idéaux impériaux ont vaincu. Fidélité, devoir, discipline. Et avec notre nouvelle recrue, nous pourrions atteindre des sommets encore plus hauts. Je sais. La recrue Titan 3 a été promue, avec tous les honneurs. Bien joué. Merci. Votre futur avec l'Empire s'annonce brillant. J'en doute pas. Je suis fier que la mort de Lyndon James envoie un message à tous ceux qui voudraient nous trahir. Qu'ils sachent que partout où les ennemis de l'Empire veulent se soulever, Titan les attendra. Qu'importe le coup. Cette guerre est une épreuve pour nous, dont nous sortirons triomphants. Et nous mettrons cette nouvelle république à genoux. Allez, c'est parti. Presque 5. Bah, c'est déjà bien. Continuons.
Escadron Vanguard. Au Vanguard, pardon. Voilà, alors, moi je dirais d'arrêter cet épisode ici. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma page et mes vidéos. Faites connaître le plus possible et likez le plus possible, visualisez le plus possible parce que moi ça me fait grandir, ça fait grandir la chaîne et grâce à vous, je pourrai aller beaucoup plus loin et vous apporter beaucoup plus de contenu. Que dire de plus ? Merci beaucoup et à la prochaine, ciao ciao. Yeah.